Le salaire annuel du prince William en tant que duc de Cornouailles a été révélé. On te raconte. Après la mort de la reine Elisabeth II, la couronne britannique a été complètement redessinée. Le 8 septembre 2022, Charles devient roi et son fils, le prince William, récupère plusieurs titres prestigieux, dont celui du duc de Cornouailles, un titre qui appartenait à son père. Et là, attention, accrochez-vous. En seulement un an, ce titre a rapporté à William la somme incroyable de 23,6 millions de livres sterling, soit 28 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 28 millions d'euros. Depuis l'accession de Charles III au trône, William et Kate sont devenus prince et princesse de Galles. Un immense honneur, surtout pour Kate. Qui sait que la dernière à porter ce titre n'était autre que la princesse Diana. Et pendant que Charles, récemment diagnostiqué d'un cancer, a dû lever le pied pendant quelques semaines, William continue d'assurer ses fonctions royales sans relâche. Un véritable pilier de la monarchie. Avec une fortune personnelle de 678 millions de livres sterling, Charles III dépasse largement celle de sa mère. Et William n'est pas loin derrière, avec une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars. Un avenir doré pour le futur roi d'Angleterre, qui ne cesse de renforcer sa place au sommet de la monarchie britannique. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de l'actu.